Le nombre de réfugiés sud-soudanais dans les pays voisins a franchi la barre des 1 million cette semaine. Plus de 185 000 personnes ont fui depuis les nouvelles violences qui ont éclaté dans le pays, à Djouba, le 8 juillet dernier. Le Soudan du Sud rejoint ainsi la Syrie, l'Afghanistan et la Somalie, parmi les pays qui ont plus d'un million de réfugiés. Plus de 140 000 d'entre eux ont récemment franchi la frontière avec l'Ouganda, mais une vague de personnes se déplace dans la région de Gambela. La semaine dernière, d'autres se sont dirigés vers le Kenya, la RDC et la République centrafricaine. L'Ouganda accueille la plus grande part de réfugiés sud-soudanais, avec plus de 370 000 personnes, soit plus d'un tiers d'entre eux depuis début juillet. Ils continuent d'affluer. La semaine dernière, plus de 20 000 nouveaux arrivants ont été enregistrés, principalement à Oraba dans le nord-ouest. Les combats ont brisé l'espoir d'une véritable paix et déclenché de nouvelles vagues d'exode et de souffrance pour les populations qui pourraient bien durer. Les organisations humanitaires constatent que c'est très difficile d'assurer la protection et l'assistance d'urgence pour des centaines de milliers de personnes dans le besoin, y compris les 1 061 000 personnes se déplaçant à l'intérieur du pays.